Et puis, avant de commencer, on doit jurer. Puis, passer la main ici. Et puis, répéter après moi ces mots. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et je le jure. Par le sacré Astérix. Mais c'est moi Obélix, je n'avais pas à Dieu. Monsieur. Mademoiselle, merci d'être venue ici. Vous êtes hôtesse de l'air, n'est-ce pas? Non. Hôtesse de l'air au premier plan. Au premier plan. Oui. Voudrez-vous me raconter ce qui se passe sur l'avion avec l'accusé, monsieur Depardieu? Merci. Monsieur Depardieu était sur notre avion. Il avait commandé des... Bing, bing, bing! Je peux avoir une bouteille de vin et des cacahuètes, s'il vous plaît, madame? Bing, bing, bing! C'était un peu comme ça. Bon, il avait commandé 3 bouteilles de champagne, 3 bouteilles de vin, un vodka, un whisky, un jus d'orange et un... Objection! Mon client n'avait jamais bu un jus d'orange. Madame le juge, le jus d'orange n'est pas matériel au casse de l'État français. Et bon, il a commandé quelque chose à boire et après. Il a me demandé s'il peut aller aux toilettes. Il a demandé, mais je lui ai dit, c'est pas possible, il faut arrêter et rester. Tout d'un coup, il m'a passé ce bouteille de vin. Je comprends pas pourquoi. Et en fait, je réalisais qu'il a passé aller aux toilettes dedans. Oh! Premier coup. Mademoiselle, il a uriné dans ce petit bouteille de vin. C'est une histoire bizarre, mais en fait, c'est vrai. Et ça, c'était le vrai bouteille. Oui. Oh. Donc, c'est la pièce de conviction. Pour la défense. Merci, monsieur. Mon cher Gérard, mon client, si vous voyez, est tout long, très grand, oui, n'est-ce pas? Et c'est parce que le pauvre a un problème de ventre. Oh. Et mademoiselle, c'est vrai, n'est-ce pas, que les toilettes dans l'avion, c'est trop petit. Oui, c'est vrai. Donc, imaginez si Gérard était coincé dans les toilettes. Quelle horreur. Alors, en mon avis, c'est la faute du compagnie pour ne fournir pas des bouteilles de pipi. Et on passe de mon client une bouteille assez grande. Merci. Je veux faire le sommaire pour l'État. Les hommes français ont un ancien droit de faire le pipi en public. C'est normal en France. En France, partout. Mais ils ont
la responsabilité de viser avec précision. Merci. Bon, vous pouvez disposer, merci.